Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. Nous sommes justement lundi 16 mai 2022. C'est le numéro 000 de ce nouveau programme en direct sur votre chaîne de télévision. Dorénavant, tous les jours de lundi à vendredi 10h, 11h52, vous aurez donc rendez-vous avec ces analystes, ces experts, ces consultants. Nous parlerons des faits saillants de l'actualité. Nous aurons également plusieurs dénonciations, sans oublier une problématique qui sera toujours mise sur la table de débat. De toutes les façons, Espace Miné, c'est votre rencontre qui devra de toutes les manières marquer le microcosme audiovisuel. Pour ce premier numéro de Espace Miné, nous avons choisi un sujet phare, entre guillemets, au niveau de la société. On fera une incursion au niveau de l'Église avec une interrogation, probablement majeure. Église et mœurs, quel regard? Et nous aurons pour prétexte un certain nombre de dérives, si vous préférez, un certain nombre de déviances qui arrivent au sein de l'Église, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs. Nous en parlerons, grandeur nature, afin que nul n'en ignore. Espace Miné, c'est justement des invités de choix pour des analyses de qualité. Parlant justement de ces invités, je commence par accueillir le premier invité ce matin. C'est un homme de Dieu, Révérend Père Marcel Christian Akwa Atangana. Bonjour. Bonjour, parfait. Et surtout, bienvenue sur ce plateau. Merci. Je présume que c'est la première fois que vous êtes en direct sur Info TV. Oui, c'est justement la première fois. Je précise que Révérend Père Marcel Christian Akwa Atangana est de l'église vieille catholique Mariavite. C'est ça. Au niveau de ma tête, je me posais une question. Pourquoi église vieille catholique? Oui, église vieille catholique, parce que nous sommes de la vieille chrétienté. Vous savez qu'il y a eu des réformes assez considérables au sein de l'église. Et les réformes n'étaient pas dogmatiques ou scripturaires, mais étaient institutionnelles. Et certains sont restés certainement collés ou attachés aux anciennes mœurs, aux anciennes pratiques de l'Église. Alors, l'Église ayant évolué dans ces institutions, d'autres sont restés anciens. On Par dira que exemple, vous êtes certaines les orthodoxies. gardiens du temple. Bon, peut-être pas gardien du temple, mais peut-être gardien de la tradition. Gardien de la tradition. Oui. Vous aimez la tradition. Nous aimons la tradition, tous. Mais il y a des choses inamovibles dans la tradition. Mais par moments, j'ai suivi des hommes de Dieu hein, et dire que la tradition n'était pas bonne pour l'Église. Certains assimilaient même cette tradition à des pratiques de sorcellerie. Vous partagez Non, cet avis? quand je parle de la tradition ici, c'est la tradition ecclésiale, Nous sommes dans c'est-à-dire l'église, dans là. l'église, voilà, Rien à voir rien à avec voir à ce la que nous belle faisons au tradition village. du village ou bien. Mais je crois que l'église, dans son évolution, est en même temps ancienneté et renouveau. Parlons quand même de la tradition, celle du village. En tant que prêtre, il vous est Oui. arrivé d'aller mâcher les écorces au village, de vous laver, faire des bains avec des feuilles à la rivière. Bon, nous sommes fondamentalement africains et chacun d'entre nous est quand même né d'une certaine culture. Avant d'embrasser la foi chrétienne, nous sommes fils et filles d'une société On a compris que le prêtre qui va parfois laver le corps au village. pas le prêtre, mais l'homme. Parce que Ah. avant d'être prêtre, n'est-ce pas, vous comprenez que je suis quand même un fils d'un terroir, un fils d'une culture, un fils. Mais dire que le prêtre va laver le corps au village, ça c'est autre chose. Merci, hein. Merci, Voilà. Révérend Père Marcel Christian Akwa Atangana. Votre expertise nous sera d'un profond apport dans le cadre de ces échanges. À côté de vous, on accueille un vieux de la vieille. Hein. Lui, c'est Arnaud Victor Eyada. Arnaud, bonjour. Bonjour, parfait, bonjour également au panel, bonjour surtout à toute l'équipe technique d'Info TV.
on n'oublie pas ce qui nous suit actuellement. Arnaud Victor Eyada est universitaire, il est également journaliste. Il a d'ailleurs longtemps travaillé dans le cadre justement de cette maison à Info TV et il signe également son grand retour ce matin. Arnaud Victor Eyada, qu'est-ce qui vous aura manqué pendant cette absence? Je peux déjà dire ici que Info TV me colle à la peau. Info TV coule dans mes veines comme du sang. Même quand je ne suis pas là, je sais que je suis toujours là. Parce que 307 à la maison, c'est devenu comme une église. Même quand je ne suis pas là, tout le monde regarde. Pas parce qu'on veut forcément voir Info TV, parce qu'on apprécie cette chaîne montante qui, à peine ouverte, est entrée dans le bouquet, n'a pas disparu, contrairement à tout ce que les gens ont cru à un certain moment. Et Info TV aussi m'a toujours marqué par la confiance que son président, directeur général, le président du Lodin Veng, a fait à la jeunesse. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de choses à Info TV qu'on ne trouve pas ailleurs au-delà de cette jeunesse. Il y a le genre. C'est-à-dire ici, nous ne sommes pas misogynes. Vous voyez que les femmes abattent un travail de fourmi. Tout à fait. Donc je pense que je ne me suis jamais senti absent d'Info TV. J'ai toujours été là et je suis encore là aujourd'hui. Vous avez toujours été là, vous êtes encore là aujourd'hui. J'aimais le vœu hein, que vous soyez toujours là. Et puisque vous avez parlé de ce caractère non misogyne de cette chaîne de télévision, Info TV, accueillons donc justement une femme. Quelqu'un me fera le procès que Perfecto, vous aurez dû commencer par là. Antoinette Ekouane est parmi nous ce matin. Antoinette Ekouane, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à mes copanélistes. Permettez-moi Parfait de dire toute l'émotion que je ressens et vous pouvez le ressentir aussi d'être parmi les copanélistes de cette 000, comme vous-même vous l'avez annoncé, émission. C'est un grand honneur pour moi. Et permettez-moi, je peux le faire, de vous rendre un hommage. Je ne sais pas pourquoi on rend toujours l'hommage quand les gens sont décédés. Mais moi, je vais vous le faire de votre vivant. Parfait, vous êtes cette jeunesse professionnelle dont le Cameroun a besoin. Vous n'êtes pas la distraction. Vous n'êtes pas la jeunesse de la distraction. Vous êtes la jeunesse de la compétence. Vous êtes la jeunesse montante de la réflexion. Vous n'êtes pas dans les diversions, les divergences ou les débats oiseux. Et ça, ces qualités, il me fallait les relever ici. Et vraiment, je voudrais reconnaître, dire toute ma gratitude au PDG de cette télévision qui sent. Qui s'est senti les pépites, qui s'est senti les valeurs et qui donne une chance à la jeunesse. Vous êtes une jeunesse vraiment de compétences et vous êtes une jeunesse dont nous les mamans qui vous avons donné la vie sommes fiers. C'est cette qualité de jeune que nous voulons aujourd'hui, la résilience dans la compétence. Si je l'ai dit, merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de m'inviter, moi, sur ce plateau, dans cette première émission. J'espère que je ne vais pas décevoir la jeunesse qui est autour de moi. Merci, hein, Madame Ekouane. Rassurez-vous, j'ai failli écraser une larme en écoutant ces éloges. Merci beaucoup. Je signale tout simplement que vous arborez plusieurs casquettes. Vous êtes syndicaliste, présidente d'ailleurs de la Confédération camerounaise du travail. Oui. Le syndicalisme. Où en est-on au Cameroun? Alors, il faut, j'ai mal le dit, je suis enseignante de formation, mais je suis syndicaliste par passion. Parce que les questions sociales, Yadala dit tout à l'heure, me collent à la peau.
Pour moi, l'injustice, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister et c'est une abomination. C'est bien que nous allons parler de l'Église dans toute sa dimension et j'espère qu'on va aborder la dimension sociale de l'Église autour dans ce débat. Vous avez posé la question sur le syndicat au Cameroun. Le syndicat au Cameroun semble chercher ses marques. Semble chercher ses marques parce qu'il évolue dans un environnement extrêmement dictatorial. Si ah on... bon? D'où sort la dictature? Je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce que le syndicat n'a pas un environnement. Il y a des textes, mais l'environnement d'exercice de ce syndicat reste sujet à caution. Je voudrais prendre un exemple. Les outils du syndicat, c'est la manifestation, c'est l'organisation de grandes réunions. Et je voudrais, peut-être vous n'avez pas fait attention, Monsieur Parfait Haïs, c'est le 1er mai, nous avons été agressés par la police. Parce que la police a investi les lieux là où nous avons prévu de faire le 1er mai, de passer le message à nos travailleurs. Donc, on a... Madame Ekwan, c'est probablement parce que vous n'avez pas respecté l'ordre. Et les policiers sont chargés de mettre de l'ordre. Malheureusement, ce que vous dites n'est pas vrai parce que nous avons vu le sous-préfet, nous avons obtenu nous avons fait la déclaration parce qu'il faut voir, il y a cette sémantique-là. Le régime déclaratif, pour faire les manifestations publiques, il faut les déclarer. Et nous avons suivi le processus de déclaration. Puisque à la fin, vous avez vu que finalement, nous avons fait notre meeting et le ministre du Travail est venu nous rendre visite. Mais c'est l'incident du départ qui nous fait comprendre que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses dont nous devons essayer de corriger pour que le syndicalisme retrouve ses lettres de noblesse et fonctionne telle que la convention 87 sur la protection et la liberté la protection du droit syndical et l'exercice du droit syndical au Cameroun le stipule. Donc nous avons foi. Et nous sommes dans ce combat justement en tant que syndicaliste, en tant que présidente de la Confédération Camerounaise du Travail et les autres membres des autres confédérations. Nous nous battons justement pour que le syndicat retrouve ses lettres de noblesse et ne soit plus considéré comme un parti d'opposition. C'est compris. Quelqu'un me disait d'ailleurs que parfait, moi je ne suis pas un membre d'un parti d'opposition. Il me dit, je suis un membre d'un parti de proposition. Ouais. Mais à part la suite, quelqu'un m'a fait comprendre qu'il sait de quoi il parle, parce que de temps en temps, il est ami-ami avec le système. Il préfère être membre d'un parti de proposition. Nous allons accueillir un autre panéliste dans le cadre justement de ce programme Espace Mini. Lui, c'est Pierre Blériot-Niemec. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les copanélistes. Je n'ai pas encore leur nom. Je crois que nous allons nous accoutumer. Donc, je suis heureux d'être parmi vous. Pierre Blériot-Niemec aborde également plusieurs casquettes. Il est philosophe à la base. Il a longtemps enseigné. Il a flirté avec le journalisme. Pierre Blériot-Niemec a également une forte connaissance dans le domaine de l'Église et notamment pour ce qui est de la Bible. De toutes les façons, dans le cadre de ce programme, de lundi à vendredi, 10h-11h52, Pierre Blériot-Niemec sera là en tant que consultant. Dans le cadre justement de cette émission Espace Miné. Pierre Blériot-Niemec, vous êtes quand même parti aussi des plateaux de télévision depuis un peu plus d'un an et demi. Hein. Vous revenez sur ces plateaux de télévision après
plusieurs insistances. J'avoue que je suis allé chercher Pierre Blériot. Il n'était pas, je vais parler comme au village, hein, il n'était pas très chaud. Je lui ai dit, Pierre Blériot, repartons à la télévision. Pierre Blériot, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver les plateaux de télévision? Vous faites bien de le dire. C'est par amitié pour vous que j'ai accepté de renouer avec les plateaux de télévision. Les insistances multiples des autres amis n'ont pas réussi à me convaincre. Mais vous savez toute l'amitié que j'ai pour vous. Tout à fait. Du coup, je reviens, mais comme vous avez dit, comme consultant. Véritablement, je ne souhaite plus une permanence dans un plateau, sur un plateau de télévision. Je souhaite apporter de temps à autre quelques contributions. Le fait, c'est que... Mais Pierre Blériot, pour certains, vous êtes en train de bouder ce que d'autres passent des nuits blanches à rechercher en organisant même des neuvaines. C'est vrai. Vous savez, la très belle femme pour l'un n'est pas une belle femme pour l'autre. Ah bon. Ça, c'est sûr. J'adore la télé. Et Madame Ekouane a qui est ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, je sais que la télévision, ça donne de la visibilité, ça apporte une certaine aura, ainsi de suite. Et ça vous faut aussi avoir du succès auprès des femmes. Hein. Bien évidemment. Vous avez vu, je suis arrivé là, la poste centrale est bloquée. Mais dès que j'ai dit que je venais à une émission présentée par Parfait à ici, son grade, c'est principal, Ebaudé, il a ouvert la voie interdite pour que je la viole. Surtout que Perfect vous a. Il m'a dit, c'est Parfait lui-même qui présente. Je lui ai dit oui. Il me dit, non, dès demain, je m'abonne. Donc, la télévision, c'est une très bonne chose. Les militaires étaient étonnés de me voir rouler en sens interdit. Il m'a dit, mets le double clignotant et vas-y. Donc, ça apporte beaucoup de choses. Mais la rançon de la gloire, vous connaissez aussi, elle est très grande. C'est vrai. À un moment donné, lorsque ça devient trop clivant, il faut éviter. Malheureusement. Moi, j'apprécie une chaîne comme la vôtre. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore dans les clivages. Et je sais qu'avec votre doigté, elle ne sera pas dans les clivages. Du coup, la vie sociale est devenue difficile à mener. Tout à fait. Dès que vous prenez position, on dit que vous êtes de tel camp, vous êtes contre tel, vous êtes l'ami de tel. Les gens ne sont plus libres d'analyser, de dire ce qu'ils pensent. C'est vrai que la télévision a une ligne éditoriale. Tout à fait. Il faut la respecter, mais la ligne ne doit pas être trop clivante. Ici, je crois bien que le leitmotiv, le slogan, c'est la télévision... De proximité pour le vivre ensemble. Pour le vivre ensemble. Et c'est une très bonne chose. Il faudrait que ce slogan ne reste pas un slogan creux. Et je sais que vous n'en ferez pas un slogan pas creux. Nous avons terriblement besoin du vivre ensemble. Tout à fait. Comme elle apporte du bien, elle apporte aussi des inimitiés et tout le reste. Du coup, à un moment donné, il faut prendre du recul. C'est ce recul que j'ai pris. Mais comme je l'ai dit dans le temps, par amitié pour vous, je suis revenu en télévision. Merci. Hein. De toutes les façons, sous d'autres cieux, en télévision, nous vous avons baptisé Pierre Blériot-Niemec le sage. J'espère que la sagesse n'a pas tari et qu'elle nous sera encore distillée de temps en temps dans le cadre justement de ces échanges. On ne le dira jamais assez. Émission 000 en direct justement de Info TV. Espace miné. Nous allons tout simplement marquer une première touche pause. Théophile Vianney-Biya, bonjour. Bonjour, parfait. Théophile Vianney-Biya est rédacteur en chef à Info TV. Il s'occupe également de la revue de la presse tous les matins lorsqu'il est 6h45 en direct de Info TV. À partir d'aujourd'hui, nous aurons la revue de la presse Acte 2 dans le cadre justement de ce programme Espace Miné. Alors, Théophile Vianney-Biya, oui.
L'actu presse, que disent les journaux? Les journaux sont disponibles en kiosque ce matin. Parfait. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Et nous ouvrons donc cette partie de la revue de presse Acte 2 sur Espace Miné avec le quotidien à capitaux publics. Cameroun Tribune est disponible en kiosque ce matin. Et le journal Cameroun Tribune revient donc sur le séjour de Paul et Chantal Biya en Europe en grande une. Cameroun Tribune titre Paul Biya. En Europe, le président de la République a quitté Yaoundé samedi dernier en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, pour un bref séjour privé. C'est en page 2 que l'intégralité de cette actualité vous est présentée ce matin. The Guardian Post, qui est disponible, revient sur cette même actualité. Et le journal The Guardian Post nous dit ce matin que Paul Biya donne des recommandations à ses collaborateurs avant de quitter Yaoundé. Le journal The Guardian Post revient donc sur cette actualité en page 3. Mutation en fait sa grande une. Le journal Mutation titre Paul Biya, Europe Express. Le chef de l'État s'est envolé pour un court séjour privé à 6 jours de la fête nationale et 10 mois après son dernier voyage à destination du vieux continent. En page 5, l'intégralité de cette actualité est présentée aux lecteurs ce matin. L'indépendant qui est disponible en kiosque parle donc d'agenda. En page 3, le couple présidentiel en Europe. C'est à lire dans ce journal. Et au bas une de ce journal, on retrouve également cette autre actualité. 20 mai 1972, 20 mai 2022, les 50 ans de l'État unitaire. De la page 10 à la page 11, le journal de Max Mpanjo revient donc sur les 50 ans de l'État unitaire du Cameroun. Le journal Intégration, qui est la tribune des communautés, parle de ce cinquantenaire de l'unité nationale. De la page 5 à la page 10, vous comprenez que c'est tout un dossier qui vous est présenté dans ce journal. Cameroun, je t'aime, moi non plus. Pour certains, l'unité nationale semble aujourd'hui relever de l'incantation et du déni des réalités. Pour d'autres, elle garde toute sa substance significative. Nous le dit donc ce matin le journal Intégration qui est en kiosque. La Nouvelle Expression s'intéresse à la célébration du 20 mai. Le journal La Nouvelle Expression revient donc sur ce qui s'annonce du côté des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais cette fois-ci, La Nouvelle Expression présente uniquement la région du Nord-Ouest. Nord-Ouest, l'approche du 20 mai sous haute tension. Au moins 5 éléments des forces de sécurité déjà tués par des présumés séparatistes en l'espace d'une semaine, des villes mortes annoncées. Voilà ce qui s'annonce du côté du Nord-Ouest, tel que nous le fait savoir ce matin le journal La Nouvelle Expression. Et l'intégralité de cette actualité vous est présentée en page 2. Le Jour d'Aman Mana est également en kiosque. Le journal Le Jour nous plonge dans cette autre actualité. Onkam, le chef Banka ligoté par des villageois. Qu'est-ce qui s'est réellement passé de ce côté? Le journal Le Jour revient sur cette affaire en page 3 ce matin. En grande une, on parle de frein de l'activité économique. La pénurie des pièces de monnaie vire au cauchemar. La situation est difficile pour les commerçants et les clients confrontés à des désagréments lors des transactions. À lire en page 2. Douala, on revient sur le crash aérien. Côte-Côte s'explique. Vendredi dernier, le directeur général de la Cameroon Oil Transportation Company a apporté des éclairages sur la catastrophe survenue le mercredi 11 mai à Nanga et Boko. C'est à lire en page 5 du journal Le Jour. Le quotidien bilingue émergence qui est en kiosque ce matin n'a pas loupé cette actualité. Ce journal parle du crash de l'avion de Côte-Côte. Les 11 occupants de l'aéronef décédés. La liste de ces 11 occupants vous est donc présentée dans ce journal qui est en kiosque ce matin. Axe Douala Yaoundé, le sang a encore coulé. On nous le fait savoir au bat 1 du journal émergence. 5 morts à Boumiébel et de nombreux blessés. C'est le bilan qui a été donné par le ministère des Transports. D'après l'actualité relayée ce matin par le journal émergence qui est en kiosque. Et si on prenait cette actualité sportive, CTFP, Pierre Semeng Limoges, le secrétaire général, à lire dans ce journal. L'aide du Sahel de Gibaï Gatama est également disponible en kiosque. Le journal L'aide du Sahel parle de Touboro, 8 personnes enlevées en 24 heures, à lire en page 3 du journal L'aide du Sahel qui est en kiosque ce matin. Le messager de feu Pius Djaoui, qui est géré par Jean-François Chanon, parle donc d'exploitation minière. Silence, on pille. Voilà la grande une du journal Le Messager. Et ce journal de la page 3 à la page 5 revient donc sur ces quelques points. Faire de l'OB à Kribi, le contrat des dupes. Chemin de fer, Balam Kribi, Avima Iron menace. À lire dans ce journal. Même son de cloche pour Défi Actuel qui revient donc sur le chemin de fer Balam Kribi. La nouvelle menace d'Avima Iron au Congo est à lire dans ce journal. Et le journal Défi Actuel consacre sa grande une à l'emprunt obligataire. Les fonds collectés dans le cadre de l'opération lancée ce 16 mai serviront au financement de certains projets inscrits dans la loi de finances. La répartition des 200 000
Milliard vous est présenté au journal de François Bambou qui est en kiosque. Et nous refermons cette revue de presse avec le quotidien de Thierry Ekouti qui est également disponible en kiosque. Ce journal, en sa grande une, parle d'emprunt obligataire. Les projets bénéficiaires des 200 milliards francs CFA à lire donc dans ce journal. Les souscriptions qui débutent aujourd'hui auprès des banques et sociétés de boursement de déplacement s'achève le 25 mai 2022. C'est à lire dans ce journal qui parle également CEMAC, la COBAC interdit l'utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement. C'est à lire dans ce journal qui est en kiosque. Et c'est bien évidemment Info Matin est également disponible. Le journal Info Matin revient donc sur les produits brassicoles. Le prix de la bière reste inchangé. Cette actualité est toujours disponible. Ce qui est présenté par le journal Info Matin de Dieudonné Vin qui est disponible. Si vous voulez en savoir plus, c'est en page 3 que vous pouvez donc découvrir la réponse du ministre du Commerce, Luc Magloambarga Tangana. Un autre journal est également disponible en kiosque. La météo reste en kiosque ce matin. Ce journal parle de Crasser en principale une. On dit que Chantal Biya célèbre la vie en présence de l'épouse du chef de l'État, marraine du centre. Une messe pontificale d'action de grâce a été dite ce 12 mai par l'archevêque métropolitain Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, pour les 300 enfants déjà issus de l'assistance médicale à la procréation. En page 3, on vous présente donc l'intégralité de cette actualité. C'était tout pour la revue de presse. Merci. Merci à Théophile Viani Bia. C'est encore la preuve de ce que on peut avoir une jeunesse compétente. Il n'a pas 25 ans, hein, ce jeune homme, mais quel talent. Donc merci. Et c'est le jeune rédacteur en chef de Info TV. Alors, on retient quand même une ou deux actualités de cette revue de la presse. Je commence par Madame Ekouane. Madame Ekouane, les journaux parus ce matin en kiosque marque un arrêt, beaucoup un arrêt sur l'unité nationale, et c'est normal, on célébrera encore cette unité le 20 mai prochain, c'est vendredi. Petite question, l'unité nationale, avec ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 5 ans, pouvons-nous encore dire avec la force des arguments que l'unité au Cameroun se porte bien? Mais l'unité nationale, il faut déjà la comprendre comme étant cette volonté d'être ensemble. Et cette volonté d'être ensemble dans un espace donné. Et l'espace qui nous est donné, nous, c'est le Cameroun. Tout à fait. Et donc, dans ce Cameroun qui se présente comme une famille, il peut avoir des divergences. Il peut avoir des soubresauts. Il peut avoir des maladies, comme dans toute famille. Mais fondamentalement, ce qui nous réunit n'a pas volé en éclat. Vous voulez parler comme le président gabonais actuel, qui nous rappelait que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, malgré les soubresauts, comme nous disons. Nous ne pouvons pas dire qu'elle se porte bien, elle est certainement malade, il y a besoin de soigner, mais elle reste fondamentale au Cameroun. Nous ne pouvons pas, parce qu'il y a des soubresauts au nord, au nord-ouest, et à l'est même, dire que nous ne sommes plus Camerounais, ou nous ne sommes plus dans ce même pays, ou nous ne sommes plus frères de ce même pays.
Donc, moi, je pense que, et je voudrais saluer ici la célébration cette année de cette unité, malgré les difficultés, malgré ce qu'on a présenté, le Covid, malgré toutes les menaces. Vous avez lu, la presse l'a si bien relevé, au nord-ouest, il y a des menaces de villes mortes et des enlèvements, des tueries. Mais malgré cela, le chef de l'État a pris celui de célébrer cela pour dire que malgré ce qui se passe, nous sommes un pays, nous sommes une entité et nous devons conserver ce pays-là dans cette unité malgré la diversité. Merci. Hein. Nous allons également avoir l'avis de l'homme de Dieu sur le plateau. Lorsqu'on parle de l'unité, il me semble que les hommes de Dieu ont leur mot à dire. Vous qui êtes dans les églises, ces espaces de socialisation, que faites-vous pour que cette unité, au-delà de ces quelques, entre guillemets, obstacles que relevait Mme Ekouane tout à l'heure, que cette unité reste intacte au Cameroun? J'ai relevé un aspect important dans le discours de notre maman tout à l'heure. C'est que l'unité est toujours voulue, mais elle n'est jamais parfaite. Donc, et même dans la Bible, dans l'évangile de Jean au chapitre 17, Jésus dans sa prière sacerdotale a prié pour l'unité, que tous soient un. Mais cette unité n'est pas encore parfaite jusqu'aujourd'hui. Donc, nous continuons de travailler dans le cadre de l'avènement de cette unité-là, mais nous devons surtout beaucoup plus bâtir le culte de la différence. Parce que nous voulons être un, mais il faut que l'unité n'est pas l'absorption. C'est pas parce que je dois m'unir à l'autre que je dois devenir comme lui. Donc, s'unir à l'autre, ce n'est pas l'absorber ou l'envahir. Et c'est ça qui crée souvent les points de divergence dans le processus de mise ensemble, de vivre ensemble. Alors, l'unité évolue et nous souhaitons tous vivre unis, mais cette unité reste encore à parfaire. Merci. Hein. Pierre Blériot m'aimait que selon l'homme de Dieu, cette unité reste encore à parfaire. Allons un peu plus en profondeur. N'avez-vous pas l'impression qu'au niveau du Camerounais lambda, c'est du petit Camerounais, il se bat pour cette unité, mais de temps en temps, il assiste à un certain nombre de frustrations par exemple, des concours administratifs pour ce qui est de leur entrée, au niveau de certaines nominations. Le Camerounais d'Amba a l'impression que nous parlons d'unité lors du 20 mai, nous sommes tous ensemble, mais lorsque nous partons vers le partage entre guillemets du gâteau, on ne parle beaucoup plus d'unité. Alors, vous mettez le pied à l'étrier, vous dites que quand il faut partager le gâteau, alors c'est pas le vivre ensemble qui pose donc problème, c'est le manger ensemble qui pose problème. Il est difficile même pour des frères de rester unis lorsque le tapioca n'est pas suffisant. Le manque est source de tension. Maintenant, lorsque le tapioca est confisqué par certains, ceux qui ne mangent pas pleurent. Et s'ils pleurent, ils ne peuvent pas être contents de voir les autres manger. On ne peut pas parler d'unité. L'unité, c'est un peu plus complexe. Le manque de solidarité va commencer à ternir l'image de la famille. Si nous prenons l'exemple de la famille. Mais on peut régler ce genre de problème. Vous savez, beaucoup d'idées ont été proposées. Les concours administratifs, parce que vous en avez parlé, il faut dire la vérité, ils ne peuvent pas être faits sur la base des tribus, des communautés. Cela n'est pas possible. Vraiment, vous comprenez pourquoi j'ai dit que je ne voulais plus parler. Il faut dire la vérité au Camerounais. Alors, ceux qui ont émis cette idée, cela fonctionnait à un moment donné. Tout à fait. Il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels, il n'y avait pas beaucoup de diplômés. Et on a orienté tous nos apprenants vers les écoles administrantes. C'est-à-dire que tout le monde fait les écoles littéraires et autres. Et tout le monde s'attend à avoir des postes. Quand vous allez à l'université de Soa,
vous y avez été. Mmh. À votre époque, il y avait un certain nombre d'étudiants là-bas. Aujourd'hui, je crois qu'ils doivent être 30 000. Ah oui. Alors, l'ENAM propose par an 120 places. Ouais. Je prends seulement. Je dis, nous avons 120 places, nous avons 250 tribus. Mmh. Même si on prend un individu par ça tribu, il y aura 130 tribus qui ne seront. Des pistes ont été proposées. Et lorsqu'on va encore dire ça, les gens qui sont attachés à l'idée, comment ils appellent ça, du centralisme de l'État, disent que non, ça ne marche pas. Non. Si on avait divisé l'État, cela serait différent. C'est-à-dire que la notion de fédéralisme dont parle par exemple le grand frère Dieudonné Issoumba, si vous la scrutez, vous verrez que là-dedans, beaucoup de choses se passent. Parce que quand on dit on est dans le centre c'est qui? Moi, je suis Bassa du centre, je suis Bassa du littoral. Quand vous dites qu'on est dans le centre, les Bassa, eux, ils sont où? Il y a trop de problèmes à résoudre de cette façon-là. Il faut d'abord une volonté. La volonté politique. Il faut éviter cette autre chose qu'on voit, le jeu de chaise entre les grands d'aujourd'hui qui préparent leur place. Ils reculent juste pour que leurs enfants viennent s'asseoir. Exactement. Il faut qu'il y ait de la compétition loyale. Il faut qu'il y ait segmentation de l'État, c'est-à-dire que pour que les gens se retrouvent en région et puissent compétir de manière équitable. Les rios, si vous étiez par exemple un ministre et que vous avez possibilité de faire en sorte que votre fils puisse accéder à l'ENAM, à la faculté de médecine, à l'EMIA et que sais-je encore, vous ne le ferez pas Parfait, c'est vrai. Évitons des questions personnelles parce que je risque de parler de moi et c'est vaniteux. Si je ne ferai pas ce... On dira que, bon, lui veut montrer que... Non, vous me connaissez assez. L'éducation que je donne aux enfants, les miens et les autres, c'est de ne pas compter sur papa pour devenir quelqu'un. Et vous savez très bien de quoi je parle. Donc, je vais éviter de donner les détails. Mais lorsque vous avez formé votre enfant à affronter la vie... Vous n'avez pas besoin de lui donner des béquilles. Vous n'avez pas besoin. Il faut qu'il ait... Les temps difficiles créent les hommes forts. Il faut créer autour des enfants... Les temps difficiles créent des hommes forts. Oui. C'est du Blériot. Il faut le faire. Il faut que vos enfants puissent affronter la vie. Beaucoup de ces fils à papa aujourd'hui... Ils sont nés avec des cuillères dans la bouche. C'est eux qui nous foutent le bazar partout. Ils n'ont aucune compétence. Papa les a poussés là. On me racontait une anecdote d'un monsieur qui avait payé le concours de médecine pour son fils, devenu chirurgien. Le jour de son opération, on lui dit que c'est son fils qui va l'opérer. Il dit non, non, vraiment. Trouvez un chirurgien. Vous voyez? Il dit non, trouvez un chirurgien. On dit non, pourquoi ça? Il dit non, trouvez un chirurgien. Non, il faut former les enfants à être compétitifs. Merci. Il faut former les enfants à être compétitifs, selon Pierre Blériot-Niemec. Nous allons tout simplement marquer une autre touche pause. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau de Espace Mini. Nous sommes en direct, on ne le dira jamais assez, en direct sur Info TV de 10h à 11h52. Vous avez rendez-vous justement avec ces analystes qui abattront un travail titanesque. Autre touche pose, la dénonciation comme son nom l'indique, un fait qui touche la société, un fait qui énerve, un fait qui crée par moments de l'injustice et qu'en réalité nous voulons voir changer. La dénonciation de ce matin, elle sera dite par Pierre Blériot-Niemec. Allons-y Pierre Blériot, qu'est-ce qui vous énerve ce matin? Bon, vous savez, j'essaie de garder les émotions intactes, mais je fais une dénonciation qui est lié à la vie chère en général, mais particulièrement axé sur les matériaux de construction. C'est vrai que le Camerounais qui ne mange pas va me dire, toi,
tu es en train de construire quand on parle d'abord de manger. Non. Chaque catégorie a ses problèmes. Lorsque vous observez la flambée des prix des matériaux de construction aujourd'hui, je prends seulement le cas du ciment. Si vous engagez un travail de construction aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire un devis. Si votre, c'est pas ingénieur ou c'est pas qui vous fait un devis, à tout moment, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez plus affronter. Le matin, le ciment, c'est 5 100 francs. À midi, c'est 5 400. Et le soir, c'est 5 800. Je dis que ce n'est pas sérieux. Il ne faut pas que les gens profitent du laxisme, parce que c'est ce qu'il faut dire, du laxisme pour faire ce genre de choses. On se fait du tort entre petits, parce que les grands, ils sont là-bas, ils n'ont pas de problème. Lorsque ça augmente de cette manière, sans aucune visibilité, sans aucune lisibilité, sur quelle base, qui s'assoit, qui décide de l'augmentation des matériaux de construction, vous verrez donc beaucoup de chantiers qui n'ont pas pu arriver à leur terme, parce que le budget qui avait été prédéfini par le promoteur, par le a été consommé par l'augmentation, je vais dire, gourmande des commerçants véreux. Ils le sont, et effectivement, il faut le dénoncer. Et au-delà de la dénonciation, que les autorités agissent. Elles savent, les autorités, ce qu'il y a à faire pour que ce genre de choses changent. C'était la dénonciation de ce matin. Pierre Blériot-Niemec revient sur la vie chère de manière générale. Il met un accent tout particulier sur l'augmentation, on a peur de dire anarchique, on n'a même pas peur, l'augmentation anarchique de ce matériau. Alors, Eyada, Arnaud Eyada, cela crée quand même une certaine frustration au niveau de la population. On a l'impression que ce n'est plus n'importe qui et qui pourra bâtir ne fût-ce qu'une chambre. On parlait justement tout à l'heure de l'unité nationale, et mes prédécesseurs ont tout dit sur la question. Vous voyez que la dénonciation de Blériot est en droit de ligne avec cette actualité-là, parce que j'aime souvent prendre un exemple qui est vrai. Celui qui fait état de ce que le chien de mon voisin mange mieux que moi. Parce que quand je vois comment le chien de mon voisin est nourri, je comprends pourquoi parfois quand le bandit arrive chez mon voisin dans la nuit, c'est moi qui aboie en criant au voleur, le chien lui dort. Alors quand vous êtes dans un environnement où vous avez l'impression que vous avez tout perdu, et que vous n'êtes pas tous à avoir tout perdu, et qu'il y a d'aucuns qui se taillent la part belle, et ils ont presque tous les avantages à un certain niveau, ça crée la frustration. Et aussi, quand tu parles de la vie chère, je suis très rassuré par une d'Infomatin qui fait état de ce que la bière est restée intacte. C'est une nouvelle qui me rassure. Peut-être. Parce que ça vous rassure. Ça me rassure. Et pourquoi ça vous rassure? Pourquoi ça me rassure? Voyez-vous, vous commencez avec un système, la boisson se fait rare. C'est-à-dire, vous allez dans une vente emportée, vous avez un événement chez vous, on vous dit, je vais éviter de citer les noms pour ne pas faire la publicité. On vous dit, il n'y a pas tel goût, il n'y a pas tel goût, il n'y a pas tel goût. Ceux qui ont un œil, certes, aussi les enquêteurs d'Infomatin, avaient compris que certains même tapis dans l'ombre créent sciemment la pénurie pour préparer psychologiquement les consommateurs. Tout à fait. Et qu'à un certain moment, ils vous sortent la note en vous disant que voilà, la boisson a augmenté. Et ça trouve encore un autre phénomène, la rareté des pièces. Ça veut dire que si désormais la bière coûtait 800 ou coûte 800, vous allez donner un billet de 1000 francs, oublier les 200 francs, parce qu'il n'y a pas les pièces. Donc, toute cette tension effrite véritablement le désir de vivre ensemble. Et depuis les élections de 2018, il y a d'autres phénomènes qui se sont produits avec justement ce qui est dans la toile. Quand on parle de vie chère, ça nous concerne entre guillemets tous. Mais quand un artiste décide de vivre de son art et qu'il va aller s'exprimer sous d'autres cieux, où il va faire ce qu'il n'a appris qu'à faire toute sa vie, et que certains individus décident de le combattre, de vouloir l'abattre parfois, tout simplement parce qu'ils soutiendraient, d'après eux, le gouvernement, et que des gens encore ici dans la rue soutiennent ça en vous disant que oui, c'est vrai, tel artiste était là le jour que le chef de l'État avait invité les artistes là-bas. Alors que, vous voyez que, une fois que nous vivons ensemble, est déjà menacé à la base, je puis vous dire, une inflation va créer naturellement, mettre les nerfs à fleur de peau. Voyez-vous, il est devenu difficile aujourd'hui d'emprunter un taxi le matin et d'arracher le sourire aux voisins qui sont dans le taxi. Vous dites bonjour, personne ne vous répond.
Vous insistez, on menace de nous. Les personnes sont très nerveuses. Tout le monde a les nerfs en de peau. Ouais. Il y a une tension sociale généralisée, au-delà de tout ce que les prédécesseurs ont déjà dit ici, sur la balance qui est reverbale au niveau des concours administratifs et tout ce qui va avec. Je pense quand même que l'État a encore les moyens. Autant on a peut-être diversifié les partenariats, lors, n'est-ce pas, de nos partenaires économiques, avec nos partenaires économiques, il faut diversifier les niches et les pistes d'emploi au Cameroun, en commençant par revoir notre système éducatif, enlever dans la tête des Camerounais que tout le monde est très beau lorsqu'il a arboré un joli costume comme vous ou comme monsieur Yemek. Parce que c'est cette idée de l'ENAM qui nous a aussi mis dans l'esprit. Il me semble que sur ce plateau, personne ne nous est passé par l'ENAM. Il me semble que personne n'est passé. Mais je ne pense pas que nous serons les derniers de la société ici. Et au-delà de tout, oui, moi je ne suis pas contre, je sors en disant que je ne suis pas contre le fait que l'enfant d'un quelque chose de la République soit intelligent ou qu'il réussisse. Encore que quand celui-là décide d'être intelligent, il est véritablement. Parce que pour préparer un concours, les bons et tout l'armada de documents qu'il a à sa disposition, un pauvre ne peut pas se l'offrir. Mais maintenant, une fois qu'il a même eu cette intelligence-là, maintenant quand il sort, le mode de vie qu'il mène dans un pays quand même qui est presque à genoux sur le plan de la société, de la vie, je pense que ça crée des frustrations et véritablement que les autorités prennent le taureau par les cornes et qu'on ne parle plus de la vie chère. Merci, Mr. Eyada, pour votre regard concernant cette dénonciation. Avant de passer la parole à Mme Ekouane, je reviens sur l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, il se dit, je ne sais pas si c'est vrai, que du côté de l'Église, les hommes de Dieu ne souffrent pas beaucoup. Et donc, les problèmes ayant trait à la vie chère, j'ai peur de dire que ça vous laisse à 37. C'est vrai? On ne peut pas dire que les problèmes liés à la vie chère puissent laisser l'Église à 37. Vous savez que les hommes de Dieu, chaque dimanche, il y a des croyants qui amènent chèvre, coq, régime de plantain, alvéole 2, et même des enveloppes. Je crois que le paradigme a changé aujourd'hui. Parce que nos églises et nos communautés chrétiennes ne peuvent plus vivre des quêtes. Les croyants sont devenus chiches. Si, déjà, nous sommes d'accord que vous l'avez relevé tout à l'heure, le chrétien lui-même n'a pas déjà ce teuf à la maison. Je ne comprendrai pas pourquoi il viendra vous le donner à l'église. Donc, mais on est en train de repenser la chose en mettant sur pied. L'église s'organise à mettre sur pied des projets générateurs de revenus, des projets qui puissent faire donner une certaine autonomie à l'Église. Parce que si on continue déjà que les quêtes elles-mêmes sont devenues insignifiantes, donc si on continue, elles sont de plus en plus maigres. Voilà, si on continue, cela vous énerve. Non, c'est pas que ça vous énerve, quand même. Mais il faut quand même dire que. Ça vous plaît pas, non. Mais disons que, il faut changer de donne. Il faut changer de donne au sein de l'Église. Et puis, que le prêtre ne soit plus un poids. Pour le chrétien, qu'il apprenne à lui-même à vivre, n'est-ce pas, de ses moyens, de son travail. Et c'est pourquoi l'Église travaille beaucoup plus aujourd'hui à bâtir l'homme avant de bâtir l'homme de Dieu. L'homme qui peut vivre dans la société tout en annonçant la bonne nouvelle. Voilà. Madame Antoinette Ekouane, la vie chère, on en parle au Cameroun depuis pratiquement une dizaine d'années. Le ministre du Commerce Abba un travail remarqué à ce niveau. La preuve est le journal Infomatin, le relevé à bon escient tout à l'heure, que le ministre du Commerce, Luc Magloambarké à Tangana, a dit pas d'augmentation, par exemple, du prix de la bière. Oui, parfait. Il faut saluer l'action du ministre du Commerce. Et comme vous l'avez si bien relevé, mais le pauvre, il faut adresser la question de manière holistique. Parce qu'il n'est pas le seul à détenir les solutions. Quand je dis adresser la question de manière holistique, c'est de négocier avec les brasseurs, de négocier avec tous les producteurs, c'est-à-dire que les entreprises qui produisent, ceux qui revendent, ainsi de suite. Donc, le ministre, lui, il est dans son rôle, il prend un certain nombre de décisions, mais
Est-ce que ces décisions ont un impact? Et tu l'as relevé tout à l'heure, ça fait 10 ans que ça dure. Si ça ne change pas depuis 10 ans, ça veut dire qu'il faut changer de paradigme. Il faut changer de manière de combattre cette vie chère-là. Donc, moi je dirais qu'il faut réanalyser même le tissu économique camerounais. Il faut le réanalyser. Il faut l'adapter aux réalités du Cameroun. Je vais entrer dans les matériaux de construction. Pour m'interroger, pour questionner la Mipromalo. À quoi sert la Mipromalo? Voilà. La Mipromalo, justement, a été créée pour amortir ces coûts de construction. Ça veut dire pour adapter la construction du Cameroun aux réalités locales, c'est-à-dire utiliser la matière première locale. Mais aujourd'hui, la Mipromalo, je ne sais pas combien de Camerounais connaissent le rôle de la Mipromalo. C'est pour cela que je dis, il faut repenser tout cela pour que le Camerounais lambda, comme il a dit, hein, les autres la tonne à 700 000, ça ce n'est pas un problème. Mais vous et moi, nous ne pouvons pas aller jusque là. Vous avez des prix bizarres. On a vécu ça. Je te dis que parfois, ne me fais pas dire ce que tout le monde sait qu'on a acheté ici. Vous savez, et c'est ça qui tue le Cameroun. Vous avez dit que quelque part on a acheté le sable. On a acheté des tonnes. Mais vous n'avez aucune preuve. Non, mais on a la preuve de qui on a acheté. On a la preuve chez qui on a acheté. Merci. Et on peut le démontrer. Non, parfait, c'est simplement pour dire qu'il faut repenser. Il faut repenser le tissu économique camerounais et l'adapter aux réalités du Cameroun. Merci. Hein, repenser le tissu camerounais et le réadapter aux réalités du terroir. Pierre Bleu-Runyemek, ce n'est pas parce que c'est vous qui avez porté cette dénonciation que vous n'allez plus poser en commentaire. Et si je présume que si ce n'est pas vous-même qui avez payé les frais, c'est quelqu'un de votre entourage, de toutes les façons, cela devient un problème d'ordre national, ces augmentations de prix. Le prix du ciment, maintenant, d'abord, on a l'impression qu'il n'est même plus fixe. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est à 4 500? Est-ce qu'il est à 5 500? Est-ce qu'il est à 8 000? Vous allez chez un détaillant, un vendeur, vous avez le prix du ciment à 5 600, l'autre à 6 200, l'autre à 7 200, quand vous le trouvez même. Alors, nous venons de dire tout à l'heure que le ministre du Commerce fait ce qu'il peut faire, mais n'avez-vous pas également l'impression qu'à un moment donné, l'ordre gouvernant a laissé trop faire, au point où ceux qui sont chargés de vendre ce matériau se prennent beaucoup la tête? Je vais rendre hommage à madame, hein. Je ne l'avais pas encore écoutée, mais quelle éloquence, quelle maîtrise. Lorsqu'on dit espace miné, c'est justement ce genre de femme. Bien évidemment, et sans être sexiste, je souhaiterais que nous ayons davantage des femmes de cet acabit. Tout à fait, vous en aurez, Pierre Blériot. D'accord. Vous voyez, si on ne diversifie pas l'offre, le monopole qu'on a créé dans beaucoup de domaines au Cameroun, et on l'a créé sciemment. On a donné des licences à certains. Je vous prends le cas. On dit là que le prix des bières reste inchangé. Tout à fait. Et c'est une bonne nouvelle pour Yada. Non, c'est pas pour lui. C'est la stratégie adoptée par les autorités, sachant que c'est la bière finalement qui est... comment je vais appeler ça? Il ne faut pas énerver davantage le peuple. Oui, parce que si on touche à la bière, ça risque de dégénérer. Ça va dégénérer. J'ai peur de dire qu'on nous a ramené au rang d'animal. Oh là là. J'ai peur, je ne le dis pas comme ça. Vous pensez que ceux qui boivent la bière sont des animaux? Non, je suis consommateur. Je dis que lorsqu'on sait que c'est la seule chose qui peut nous révolter. Mais revenons à la stratégie. Allez-y. Il n'est pas possible pour un ministre du commerce de fixer les prix dans une économie libérale. Il faudrait que les gens le sachent. Non, cela n'est pas possible. Il ne faut pas dire aux Camerounais des choses qui ne sont pas possibles. Si, le Cameroun n'est pas hors du monde. Vous avez choisi une économie libérale et c'est même une entorse que le ministre se mette à fixer. Mais si quand même le ministre estime, vous venez de parler là d'une situation qui peut dégénérer, est-ce que ce n'est pas également du pouvoir de l'ordre gouvernant si
ce pouvoir-là estime qu'une situation peut dégénérer et de mettre justement de l'ordre. Oui, je dis... Parce que ces gens, tous les matins, tu te réveilles et tu trouves que le prix du pain a augmenté. On vous dit que non, c'est parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Le prix du pain passe pratiquement du simple au double. Parfait. Je dis donc que ça, ce sont des... cosmétique. Oui, c'est ça. Pour résoudre un problème, il faut l'identifier. Si on diversifie l'offre, les prix vont chuter. C'est simple. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce n'est que les brasseries du Cameroun et UCB qui font de la bière, n'est-ce pas? Ah, il y a des gens qui ont voulu faire de la bière, des Camerounais qui ont voulu faire de la bière dans ce pays. Ils ont été asphyxiés par les gros. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Je ne vais pas citer le nom. Vous pensez que nous sommes également dans une grosse mafia. Nous sommes dans la mafia plongée pieds et poings liés. Si les brasseries, je prends leur cas, ont de la compétition, les brasseries feront déjà mieux et les prix vont chuter. Pareil, madame venait de vous parler de la Mipromalo. Tout à fait. Qui devait produire, par exemple, à part les briques, de terre et autres. Stabiliser. Comment comprendre qu'au Cameroun, en Afrique, nous construisions avec le ciment. Du point de vue stratégique, nos maisons chauffent. Oui, comment? Alors que la terre que Dieu nous a donnée, vous savez, Karl Marx disait, la manière dont les hommes produisent les modes d'existence dépend de la nature. C'est-à-dire que Dieu a mis autour de vous les choses qui sont bonnes pour vous. Dès que vous allez chercher ailleurs, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce qui est bon. Celui qui a conçu le monde l'a conçu ainsi. Aujourd'hui, construire en terre battue, entre guillemets, mais on a modernisé en faisant des briques, des briquettes. Stabiliser. Alors, si cela était suffisamment fait, vous verrez que très peu construiraient avec du ciment et le ciment ne pourrait pas flamber. Mais est-ce qu'il n'y a pas des ingénieurs là, mais Promalo, qui maîtrisent ce que vous êtes en train de dire cette affaire du Cameroun me dépasse parce que chaque fois que nous fabriquons nos ingénieurs, on les envoie dans les bureaux. Ils s'asseyent dans les bureaux et quelques-uns m'ont dit que lorsqu'ils émettent des idées novatrices, les chefs disent que ce n'est pas pour ça qu'on t'a envoyé ici. Non, on ne t'a pas envoyé ici. On les a envoyés pourquoi? Non, tu, vraiment, ce n'est pas toi qui vas changer le pays. Voilà ce qu'on leur dit. C'est-à-dire, quelqu'un dit, bon, il y a un projet, là, on peut juguler le problème de l'insuffisance en énergie électrique. Mais attendez, pourquoi nous avons des problèmes d'énergie électrique alors que nous pouvons transformer le soleil? Pourquoi la biomasse. Nous avons tellement de portes. Pourquoi? Mais les gens le font exprès. Eneo énerve tout le monde. Mais on peut se passer d'Eneo. Tout le monde le sait, mais personne ne fait rien dans ce sens. C'est pas... Donc, Eneo va... avec son monopole, faire ce qu'il veut. D'accord. S'il y avait une diversification de l'offre, comme je le disais, tout allait baisser et nous allions avoir une vie beaucoup plus... Exactement. Aujourd'hui, ce que le ministre fait, c'est qu'il s'attaque aux petits commerçants véreux. Parce que le petit commerçant aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève le matin, il dit, tout le monde tire son épingle du jeu, le fonctionnaire va. Il arrache les choses aux gens. Moi aussi, je vais changer les prix. Mais ça ne résout pas fondamentalement le problème. Cela ne résout donc pas fondamentalement le problème. De toutes les façons, lorsque nous avons dénoncé cet état de choses, nous émettons le vœu pour que l'ordre gouvernant prenne véritablement cette situation plus au sérieux. Je pense probablement que cet ordre prenne la situation au sérieux, mais il va falloir encore mettre de l'énergie. Vous êtes en direct sur Info TV. Une touche pro s'impose. Dans la région du soleil levant, l'est du Cameroun, Bagofit Sun City vous offre un cadre idéal pour des vacances en communion parfaite avec la nature. Situé à 2h30 de la capitale du Cameroun, Yaoundé, Bagofit Sun City allie charme et confort pour se ressourcer. Le complexe hôtelier offre des hébergements,
une restauration de qualité et une salle de conférence de plus de 200 places. Des espaces pour la pratique du sport en pleine nature. Plusieurs hectares de forêt pour des randonnées et une balade dans le sous-bois de Nkoila. Alors n'attendez plus, venez à la découverte de la vitrine de la région du Soleil Levant. Chère population, le Cameroun organise du 13 au 15 mai 2022 le premier tour de campagne de vaccination de riposte contre la polio pour les enfants de 0 à 5 ans. Les vaccinateurs passeront dans les ménages, les écoles, les hôpitaux et les lieux publics et procéderont à l'administration de 2 gouttes de vaccin, au déparasitage, à la supplémentation en vitamine A et au dénombrement des enfants sans acte de naissance. Ensemble, mobilisons-nous pour la santé et le bien-être de nos enfants. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, du ministère de la Communication, du ministère de l'Éducation de base, avec l'appui des partenaires. Retour sur le plateau de Espace Miné sur Info TV. Avant justement de prendre l'instant de l'analyse, nous allons faire plaisir à ces nombreux téléspectateurs qui nous font confiance. Trop de messages ce matin. Nous allons commencer à les lire. Alors bonjour à tous sur le plateau. Très belle analyse du panel sur la question de la vie chère. Motion spéciale à Eyada et Blériot. C'est signé Michel Agoumé. Bonjour bro, simplement bonjour, c'est tout simplement pathétique et gênant de mêler les artistes à ce mauvais jeu. Ailleurs, les artistes battent campagne et ne sont pas invités. C'est une honte de s'en prendre aux artistes. Je suis Roger Etia. Il faut aussi savoir si je vais bien. Je pense que ça se voit. Bonjour Perfecto, ainsi qu'à ton brillant panel. Pourquoi le Mincommerce n'intime pas l'ordre à ceux qui vendent les matériaux de construction? Il n'a qu'à hisser le prix de la bière au même niveau que celui d'une feuille de tôle. Nous ferons le choix. C'est Joey de Bafia qui nous envoie le message. Autre message ce matin. Il nous dit simplement bonjour. Hein. Nous répondons donc aussi bonjour. Autre message. Bonjour le sac de modérateurs. À tout le panel et plus particulièrement à mon grand frère, M. Niemek. Perfecto, j'aimerais que vous enquêtiez un peu sur tous les casses qui se passent à Douala tous ces derniers temps. Moi, je suis victime des casses des Sengé, Mambada, est menacé à Bonaberry, avant-hier c'était à Bali, à quoi? Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays? Niemek Grégoire depuis Douala à PK8, merci. Autre message, je viens de voir Blériot, d'accord. Blériot a quelqu'un qui vient de te voir. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu. Dommage. Bonjour à vous sur le plateau. Force à toi, Perfecto, le sac de modérateur pour ton grand retour. C'est signé Bruno Zoumé. Autre message. Bonjour, le sac de modérateur. Bon retour en télévision. Ainsi qu'à tonton Blériot
Vous êtes les meilleurs. Bon vent. C'est signé Francine Lopez. C'est à Douala Japouma. Autre message. Bonjour, parfait. Toujours calme. Bonne analyse du consultant. On n'apprend pas à l'enfant à manger du poisson. On lui apprend à pêcher. Autre message ce matin. Bonjour au nectar du micro, le sac de modérateur. Et bonjour à mon beau Blériou Niemek de la part de Larry Sangos 2. Ah, il y a une belle sœur qui vous salue. Vous êtes son beau. Oui, bien évidemment, vous savez que je suis le beau de beaucoup. C'est vrai que quelqu'un me posait une question, même lorsque le mari de ta sœur est vraiment affreux. Est-ce qu'il faut toujours dire mon beau? Bon, on ne peut pas dire mon lait. Mon beau qui est autre message sur Espace Miné ce matin. Bonjour le panel. Sous d'autres cieux, vous étiez pas mon préféré en matière de journalisme, mais je dois vous faire l'aveu que vous avez su retourner cette situation, car aujourd'hui, je suis de plus en plus abonné à vos programmes. Et quand je vois aujourd'hui comment vous ramenez ce modèle, Blériou Niemek, en télévision, alors je pourrais qu'encore plus vous aimer. Courage à vous, Info TV, et surtout, le peuple sait faire la différence au cas où la ligne éditoriale change. C'est signé Joseph Miyem. Merci, hein. Dans mon village, on dit Yosep. Donc, de toutes les façons, j'ai dit à Blériou, Blériou, repartons faire de la télévision. Mmh. Que tu le veuilles ou pas. Le sac de modérateur est en poste. C'est un grand ami à Blériou. Il est procureur quelque part. Je ne donnerai pas son identité. Le grand retour ce matin de Perfecto, parfait ici en télévision, sur Info TV, la 307 de Canal+. Je pense qu'il lui fait la pub. Hein. Il nous fait la pub. C'est... Félicitations Perfecto, je suis à l'écoute et c'est un vrai délice. C'est Samuel Mbonjok qui nous envoie le message. Oui. Samuel Mbonjok, c'est un confrère. Oui. Je pense que c'est un confrère. Bien entendu, bien entendu. Voilà. Quelqu'un voit ici, il a filmé le plateau, hein, l'image de l'émission, et il dit c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour monsieur le directeur général, félicitations pour votre nouvelle promotion. Le Seigneur veille toujours sur ses enfants, on dira Amen. Autre message ce matin. Bonjour le plateau, je félicite Parfait ici qui est en train d'imprimer sa marque dans cette belle chaîne de télévision qui monte. C'est signé Ibrahim de Garoua. Merci hein, pour votre message. Bonjour à vous sur le plateau et au sac de modérateurs en particulier. Très intéressant votre sujet. Nous, ménagères, souffrons quand bien même on affiche les prix sur les articles. Mais au moment de payer à la caisse, le montant change. Et quand tu poses la question de savoir pourquoi, on te dit, madame, nous-mêmes avions acheté à combien? Vous pouvez laisser. Et c'est signé Ralia depuis Yaoundé. C'est vrai. Autre message, bonne émission, monsieur le modérateur. Analyse pertinente de ton panel. Autre préoccupation, vous saviez bien comme moi que le capitalisme bat son plein au pays. Autre message, bonjour le sac de modérateur, bon retour en télévision. Merci. Nous allons aller à la simple messagerie hein, pour voir. Bonjour au révérend père, toujours calme dans son genre. Bonjour à tout le plateau. Marie-Lou Nklo qui envoie le message. Autre préoccupation, c'est merveilleux, parfait. Merci mon frère, bon retour. Et bonjour à tout le plateau en ce qui concerne l'équilibre régional au niveau des concours. C'est impossible si on va sur la base de la compétence. Pour un pays qui se veut émergent, tout en prenant le mérite, c'est lui René Ndono qui nous envoie le message. Quelqu'un, je vais lire comme c'est écrit, hein. Il dit, ça, mon frère Yada, encore toi avec le nom de mon école, si ce ne sont pas tous les produits de l'ENAM qui sont mauvais, mon frère. La preuve est que ton frère que je suis n'est pas forcément mauvais comme tu le sais. Bonjour à tous, bonjour à Perfecto, merci d'avoir mis sur pied cette émission. Bonjour au grand Blériou Niemek et surtout un bonjour spécial à mon frère Yada. Le Bahamas, c'est lui qui envoie le message. Vous le connaissez? Bien entendu. Bahamas. D'accord.
Autre message, bonjour à tous, c'est moi Larios depuis Djoum. Alors le problème qui se pose, c'est que le pays s'y va mal, que tu as même ton propre argent pour manger, c'est les problèmes. J'ai lu comme c'est écrit. Hein. Autre message. Bonjour, juste savoir ce que sont devenus Rosalie Guesselé et Stéphane Barga. Merci et bonne émission. C'est signé Monsieur Abba. Ils sont toujours dans la maison. Ils ont des émissions et tout va bien. Autre préoccupation, bonjour le sac de modérateur, très ravi de vous retrouver, je suis au début d'Espace Mini, c'est signé Billy de Soie, ouais. Trop de messages, hein. Nous allons les deux derniers et nous reviendrons pour la problématique inscrite à l'ordre du jour. Bonjour le plateau, tous mes hommages à mes deux promotionnaires, Blériot et Père Marcel. C'est Monseigneur Célestin Télé qui envoie le message. Vous le connaissez? Oui, assez bien. Vous le connaissez, c'est très bien. On a fait première année philosophie ensemble. Ça fait plaisir. Il est aujourd'hui évêque. Aujourd'hui évêque. Oui, Monseigneur Célestin Télé. D'accord. On a fait le grand séminaire ensemble. Vous êtes des hommes de Dieu. Il ne faudrait pas être des hommes odieux. Non, pas vraiment. Autre message, bonjour à vous sur le plateau. Heureux de vous revoir sur un plateau et surtout d'Info TV. C'est signé Dicom depuis Figuil. Un message qui nous vient du Mali. Bonjour Perfecto. Que ça fait plaisir de vous retrouver sur un plateau de télévision. Dieu est grand. Satan est petit, hein? Ça c'est clair. C'est sûr. Salut cher Parfait, je suis vraiment ému ce matin. Te revoir, un honneur, le sac de modérateur. Merci de porter le meilleur des meilleurs, monsieur Niemek, dans vos bagages. C'est ton ami Landry et Chemon qui te suit partout. Oui, j'insiste, j'ai dit à Blériot. Blériot, repartons faire de la télé. bonjour Parfait ici, bonjour. Alors, tellement il y a des messages. Bonjour à vous sur le plateau, particulièrement à Sieur Eyada, Monsieur Aïssi Enyemek, très ravi de vous revoir. C'est Liberté Samba qui envoie le message. Autre préoccupation, chapeau à toi, le dieu des débats. Bon retour et un coucou pour Blériot. Lisons le dernier message pour cette première vague. Hein. Sacré Parfait ici et toi, il n'y a pas de pareil pour ce qui est de la modération. Ah, tu feras encore que j'ai plus d'ennemis. Hein. D'accord. Nous prenons la problématique inscrite à l'ordre du jour et naturellement c'est le compartiment que nous avons baptisé l'instant de l'analyse. Je vous le disais en ouverture de ce programme ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation de l'Église, mais avec un angle bien précis, celui des mœurs. Église et mœurs, quel regard? Église et mœurs, quel regard? Je pose après une question simple, hein, pour que nous soyons sûrs que nous sommes au même niveau de compréhension. Révérend Père Atangana, Marcel Christian, qu'entend-on par église? Voilà. Quand on parle d'église, c'est une communauté de fidèles qui partagent la même foi. Et ces fidèles peuvent être les fidèles catholiques, les fidèles musulmans, les fidèles chrétiens. Donc, une communauté de chrétiens qui non, part, pas une communauté, une de, communauté fidèles, de fidèles voilà, qui partagent la même foi. Oui. Ils peuvent être des catholiques, ils peuvent être chrétiens, musulmans, bouddhistes. Autres, voilà. Ça, eux aussi, les bouddhistes ont une église. Donc l'église ne se réduit pas aux seules sphères, n'est-ce pas, de la chrétienté ou bien de la catholicité. Voilà. C'est pour être plus large dans le débat, quoi. Madame Ekouane, ce matin, nous parlons donc de cette église qui vient de définir de manière brillante notre homme de Dieu sur le plateau. Depuis un certain nombre d'années, et de manière un peu plus répétitive cette fois-ci, on a l'impression que l'on retrouve
ce n'est qu'une impression que l'on retrouve un peu trop de dérives au niveau de cette église, au sein de cette église. Alors, l'église serait-elle devenue le temple de toutes les déviances? Parfait, ici c'est une question fondamentale. Le Père l'a dit tout à l'heure, l'église est une communauté de fidèles. Mais oui, c'est une communauté. Mais moi je dirais l'église est famille. Église égale famille pour moi. Parce que l'église ressemble à la famille. L'église doit éduquer. L'église doit former. Tout à fait. L'église doit protéger. L'église doit promouvoir les valeurs, des valeurs humaines et des valeurs positives. Ça, c'est peut-être ma définition empirique de l'église. Mais aujourd'hui, dans cette famille de l'église, on se questionne. Si nous sommes famille, s'il y a cette famille-là qui est devenue l'église, doit-on retrouver des viols, d'inceste, des déviances, de... Non, ça veut dire que si on arrive à retrouver cela, à un moment, l'église va s'auto-détruire. La famille ne risquerait-elle pas de s'auto-détruire? Parce que une famille se fonde sur des valeurs. Et si ces valeurs-là, aujourd'hui, sont en train d'être questionnées, et elles sont questionnées, parce que moi, au-delà, il y a une de mes peut-être casquettes que tu n'as pas déclinée. Je dirige une association de violences faites aux femmes. Et je me suis spécialisée sur les assassinats. La conséquence des familles qu'on a assassinées, que deviennent les enfants. Et dans cette association, nous suivons les jeunes filles vulnérables. Et nous avons été saisis par une famille qu'un prêtre a violé une petite fille de 2 ans. Incroyable. Attendez, madame. 2 ans. Madame, quand vous êtes sérieuse là. Une enfant de 2 ans. C'est-à-dire que c'est des choses, c'est des réalités. Des faits. Des faits. Au-delà de cet exemple-là, je vais juste circonscrire la région, je ne vais pas dire où, dans la région du Sud. Et ça a défrayé la chronique ici, à Ebolova. Il y a un prêtre qui a aussi violé une petite élève, je pense qu'elle avait 5 ans. Et les gens le savent. Donc, il y a des faits. Donc, quand vous questionnez les mœurs dans l'église, ce n'est pas le hasard. C'est parce que, et je pense que vous avez choisi cette thématique, parce qu'il y a des faits. Et ce sont ces faits-là que nous questionnons. Que devient l'église aujourd'hui? Doit-on avoir peur de l'église? Ou est-ce que l'église doit encore promouvoir sa mœurs? Merci. Donc, il y a des faits. Merci pour ce premier geste. Madame Ekwane, qui parle avec beaucoup d'émotion. Je vois le prêtre qui veut absolument réagir. Calmez-vous, révérend père. Vous aurez à nouveau la parole tout à l'heure. Je vais passer la parole à Mr. Eyada. Alors, l'on parle quand même de certains hommes de Dieu qui viole, et Madame Ekwane, qui est présidente d'une association qui véritablement enquête sur ce genre de déviance. Qu'est-ce qui peut expliquer cette déviance au sein de l'Église de manière générale, Yada? Et nous avons quand même aussi une autre actualité, pour rester au Cameroun, qui nous vient, je pense, de Bertois, où un homme de Dieu vient d'être incarcéré pratiquement pour des mêmes raisons. Loin d'être celui qui côtoie cela pour donner une réponse exacte, ce qui les pousse à avoir des comportements déviants, je vais sous le contrôle des deux aînés qui ont longtemps fait le séminaire me souvenir que le premier concile de Nicée convoqué par Constantin Ier s'est tenu entre le 20 mai et le 25 juillet l'an 325. Il était question de résoudre les problèmes de l'église de l'Orient.
et on a axé ça sur les dogmes. Il me semble aussi que c'est à partir de là qu'on a peut-être pris la décision, en ce qui concerne telle église romaine, que les prêtres ne devraient pas se marier ou avoir une femme. Ça peut être un problème. Parce que ce qui côtoie ce moment, le mariage de certains prêtres, ça peut être un problème. Parce que je surtout l'église catholique romaine. Tout à fait. Parce qu'il est difficile que vous soyez appelé à unir des gens. Et que quand ces gens ont des problèmes, ils viennent vers vous. Alors que vous n'êtes fait jamais gifler par une femme. Alors qu'une femme ne vous a jamais tourné le dos. Ça reste un peu ambigu à ce moment. On commence à se poser une ou deux questions. Au-delà de ça, ce qui côtoie encore ce monde-là, vous disent que pour que vous soyez prêtre, on se rassure que vous n'êtes pas impuissant, que vous êtes un homme viril. Et après ça, on vous dit encore qu'il faut faire un vœu de chasteté. À partir de là, ça trouble mon entendement. Je dis bien, je parle sous le c'est-à-dire, j'ai des aînés qui vont peut-être me recadrer et m'aider à comprendre. Ça me trouble. C'est-à-dire, on se rassure que vous êtes viril pour faire donc quoi? Il faut se dire trop plein d'énergie. Voilà. J'ai lu un livre sur le tarot où on explique que après chaque 7 ans dans la vie d'un individu, il y a des transformations, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Alors, on est tous d'accord que, à partir de 7 ans, même quand on se lave, il y a un petit appareil reproducteur qui se met souvent en exergue, même quand on vous lave. Qui commence à dire. Et que lorsque vous avez 14 ans, à une certaine heure de la nuit, il se lève encore et vous dit, moi, monsieur. Alors, il est donc logique et normal que ce trop plein d'énergie soit déversé quelque part. Mais si vous êtes donc dans un environnement où, d'après le dogme, vous devez vous réserver, il me semble que qu'à un certain moment, le corps sera au-dessus de ce dogme. Et ça peut donc expliquer ces dérives. Et aussi les sociologues aiment bien le dire, la proximité crée le besoin. Il n'est pas ambigu. Il n'est pas ambigu. Il n'est pas, c'est-à-dire, le fait d'être constamment avec quelqu'un vous amène à avoir des attirances. Même si c'est un homme qu'on vous parle, les attirances ne sont pas toujours négatives. C'est-à-dire le fait que nous nous retrouvons ici tous les lundis matins jusqu'à vendredi, on va développer des affinités au point où on va se sentir frère, on va se sentir sœur un peu plus que ce fut le cas lorsqu'on avait passé l'assemblement. Alors lorsque vous êtes au séminaire et que vous passez donc du temps 7 ans, hein, entre vous pour l'église catholique romaine, il est logique à un moment on vous parle de pédophilie et d'homosexualité. Moi, je dis bien, ça peut s'expliquer. Donc, je ne vais pas encore émettre des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes en train de justifier. Je ne justifie pas. Moi, de poser une question. Vous défendez les prêtres. Je ne défends pas encore. Encore que je ne suis pas avocat, je risque de jamais l'être avant ma mort. Je donne quand même des analyses. Vous avez fait une peinture. Une peinture, tout simplement. Je me mets quand même un peu dans cet environnement et je me pose la question de savoir si j'avais grandi dans cet environnement. Est-ce que j'aurais totalement été à l'abri de ce phénomène? Est-ce que je n'aurais pas été aussi un acteur, malheureusement, de ce phénomène macabre? Ça peut s'expliquer, je vais sortir aussi par autre chose. Il est venu peut-être le temps d'adapter la religion, je vais parler de la religion, pas de l'église, aux mœurs. Un Africain normal, bien constitué, ne peut pas vivre célibataire toute sa vie. Ou alors ne peut pas avoir la prétention de ne jamais aller avec une femme. Je vous dis qu'il y a le trop plein d'énergie qu'il faut déverser. Et vous savez que même dans ces ébats, c'est de la spiritualité pure et simple. C'est pourquoi on dit aucun rapport sexuel qui se fasse dans l'amour n'est coupable. J'ai bien dit dans l'amour. Encore que là, on va étendre en essayant de dire ce que c'est que l'amour. Vous allez chuter. Mais je pense que l'Afrique, lorsqu'on l'apporte, on a apporté la religion en Afrique, en mettant ces dogmes, ça nous a détruit au plus aujourd'hui. Vous voyez que vous chassez le naturel et le vivant. Merci. Hein. Pierre Blériot, Uniemek, Arnaud Victor Eyada revient sur un pan. C'est un vieux débat. Le non-mariage des prêtres au niveau de certaines églises, notamment l'église catholique romaine, il n'arrive pas à comprendre que dans la même église, par moment, on veut se rassurer que le prêtre qui sera ordonné est normalement constitué, vous suivez mon regard, et comment on demande au même prêtre de faire le vœu de chasteté. Cela peut produire à un moment donné un certain nombre de déviances. Alors, je vais essayer de faire l'analyse du philosophe que je fus à un moment donné. Ce que le copanéliste dit,
il fait là une description. Alors, si c'était ça la raison, ou si c'était que ça les raisons, du coup, il n'y a que dans l'Église catholique romaine qu'on ne se marie pas. Il n'y aurait donc pas de viol chez les autres qui se marient. Ça signifie que l'argument n'est pas suffisant. Donc, lui-même, il doit le comprendre. Il n'y aurait pas d'homosexualité ailleurs. Mmh. Or, il y a des hommes mariés qui sont homosexuels. Ouais. Vous en connaissez ? Et pédophiles. Et pédophiles, oui. Ainsi de suite. Mmh. Ce qu'il devait dire, je me permets de le lui dire comme allez, ça, c'est que les effets, les éléments qu'il a évoqués sont des éléments aggravants. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend en compte le fait que le prêtre catholique n'a pas d'épouse, on se dit qu'il est plus enclin que l'homme normal a. Mmh. Mais ce n'est pas le cas. Je ne vais pas défendre les prêtres catholiques, mmh. mais je vais vous présenter le tableau. Allez-y. Toutes les églises constituent ce qu'on appelle des sectes. Il faut le dire. Non, faut prendre... On n'allait pas blesser une sensibilité. Non, il faut prendre le mot secte. Non, dans son sens originel. C'est parce que chez nous, quand on dit secte, non, on ne voit que Belzébuth. Moi, quand je parle, je souhaite que ceux qui m'écoutent, lorsqu'ils ne comprennent pas, qu'ils lisent ce que mot signifie. Mmh. Toutes les églises sont des sectes. Alors, si vous ne voulez pas les dogmes de telle secte, n'y allez pas. Si vous voulez devenir prêtre et que vous ne voulez pas les dogmes du catholicisme, ne devenez pas prêtre catholique. Devenez prêtre orthodoxe, prêtre ainsi de suite. Vous vous marierez. Oui. Je refuse qu'on veuille violer les dogmes d'une église. Exact. Le problème ici est celui maintenant de la vocation. Je voudrais lire quelque chose dans allez-y. On dit, nous sommes là en 1 Timothée au chapitre 3, à partir du premier verset. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni mais indulgent, pacifique, désintéressé. On peut continuer. Mmh. Le problème aujourd'hui, c'est celui là. Ça signifie qu'on reconnaît que le prêtre doit être marié. Oui, non, vous ça êtes... c'était dans oui, un ça, contexte. Contexte. Ça, mais on va revenir. Mmh. Le problème, comme je vous le disais, c'est celui de la vocation. Oui. N'appelez plus les prêtres, les pasteurs hommes de Dieu. Non. Pourquoi ? Non, ils ne sont pas hommes de Dieu. Ils sont hommes au service de l'Église. Aujourd'hui, la vocation a disparu. Les gens vont chercher de l'emploi. Mais retenez, les gens vont chercher de l'emploi. Je n'ai pas trouvé du travail dans la société. Je me bats à devenir prêtre parce que les prêtres s'en sortent. Je ne dis pas que ça fait 100% des prêtres. Qu'on se comprenne bien. Beaucoup de leurs confrères sont allés chercher de l'emploi. Conséquence, ils ont ramassé leur méchanceté du monde et les loups sont entrés dans la bergerie. Tout à fait. Voyez ça? Les marchands sont entrés au temple. Mmh. Quand vous voyez le Christ prendre le bâton et taper, sortez, ne faites pas de la maison de mon père une caserne de voleurs. Mmh. Les hommes sont allés chercher de l'emploi et ils se sont vêtus de l'habit d'homme d'église. Et là-dedans, ils assouvissent leur... Et c'est la Bible qui nous dit, hein? Ils assouvissent leur désir ignoble à l'intérieur de l'église. Donc, ce n'est pas le procès de tous les pasteurs, de tous les prêtres, mais je dis, si on revient à la vocation, ce qui ferait que, pour devenir prêtre catholique romain, vous montrez que vous êtes disposé à contrôler vos énergies libidinales. C'est ça. Et il y a des tests pour le faire. Et il y a des exutoires, mon cher frère, pour gérer ce... Il y a des eunuques de naissance. Il y en a qui le sont devenus par la force des choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous voulez devenir pasteur, vous vous mariez, mais il faut que vous ayez la vocation, que vous ayez l'appel. Merci. Nous allons relire quelques messages avant de passer à nouveau la parole au révérend Père Marcel Christian Akwa Tangana, qui veut réagir depuis un certain temps. Le changement viendra, les débats ne changeront rien car le RDPC, qui est la véritable machine de guerre, dévaste tout sur son passage. Le changement viendra, je pense que
il doit parler, il doit suivre une autre télévision. Hein. Alors, bonjour Parfait, très heureuse de te revoir sur l'antenne d'Info TV, merci. Je salue Monsieur Niemek, je suis ravi de le revoir. Il est même où maintenant? C'est Ona Ambal Mayo. Autre message, merci d'avoir lu mon message. Dans le problème, comment... voilà. Autre préoccupation. Alors, il faut dire que il y a beaucoup de messages. Long message. Hein? Bonjour, perfecto. Et excellent retour en télévision. Je voudrais rappeler que l'Église avec E majuscule, c'est l'assemblée des croyants en Christ sans distinction de confession religieuse. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'églises qui parfois s'éloignent de la parole de Dieu pour s'accrocher sur les dogmes et les paroles des prophètes et pasteurs illuminés. Les églises aujourd'hui sont des entreprises au sein de laquelle tous donnent des leçons sans jamais les mettre en pratique. Que ces pharisiens libèrent l'Église de Jésus-Christ et que la parole de Dieu demeure la seule autorité en matière de foi et pas ou plus les hommes et les dogmes. C'est révérend Joseph Fauchivet qui envoie le message. Bonjour Perfecto, bon retour sur les plateaux de télévision. Sacré coup pour Info TV. Merci. Autre préoccupation, c'est un message qui vient du 226. C'est quel pays africain? Burkina Faso. Le Burkina. Bonjour le plateau, sujet important. Je vous fais un témoignage personnel. Je suis chrétien catholique. Pour avoir traversé une crise conjugale, un prêtre a approché mon couple pour des conseils pour nous permettre de vivre la paix dans notre couple. Curieusement, quelque temps après, il y a eu une familiarité entre mon épouse et le prêtre. Et finalement, les deux sont devenus amants. Et voilà définitivement la séparation. Au Burkina, c'est très grave. Les prêtres ont la médaille d'or dans la sexualité. Les enfants partout. Ils ont occasionné des divorces partout. C'est Paul depuis Ouaga qui envoie la préoccupation. Révérend Père, cela ne fait pas plaisir de lire ce genre de message. C'est vous qui êtes des hommes d'église. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants disent sur Facebook, qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Je voudrais prendre d'abord l'aspect anthropologique de la chose. Mm-hmm. Avant d'être prêtre, et le grand frère l'a certainement si bien signalé tout à l'heure, l'église est humano-divine. C'est une communauté, c'est l'église de Dieu, je veux dire, mais dirigée par les hommes. Et au sein de l'église travaillent également les hommes, bien que la main de Dieu soit là. Alors, quand je parle de l'aspect anthropologique de la chose, c'est que je voudrais dire que la grâce d'être prêtre, pasteur, et je ne sais pas, autre homme de Dieu, ne change pas la nature. Et nous devons... Donc, si vous êtes né... bandit, même une fois devenu prêtre, vous serez toujours bandit. Non, sauf qu'il y a la grâce ne change pas la nature, mais la grâce peut la transformer. Allons-y. Peut transformer cette nature-là. Mais sauf que la grâce elle-même, elle est encadrée. Parce que même ayant transformé la nature, si tu décides toi-même de passer à côté de cette grâce, le naturel reviendra au galop. Première chose. Donc, qu'on considère d'abord l'aspect anthropologique. Il a relevé, nous sommes africains, et puis en africain, tout homme devrait se marier. Mais l'Église n'est pas née aujourd'hui. Je parlerai de l'Église catholique en général. L'Église a suivi un long chemin, un long processus. Et disait l'Église, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les dérives que nous connaissons aujourd'hui sont aussi anciennes. Que l'Église sont aussi anciennes même que les hommes. Ces dérives-là. Souvenons-nous de Genèse chapitre 7 où même les anges ont perdu la nature des anges et ils sont venus coucher avec les humains. Voilà, les anges déchus. Ils sont venus coucher avec les humains. Donc, ces mœurs-là sont aussi vieilles que ces mauvais comportements sont aussi vieux que l'Église. Mais je voudrais quand même dire que dans le cadre de l'Église catholique, il y a un certain nombre de dispositions qui avaient été prises. Le mariage, par exemple, dans l'Église catholique romaine, le mariage
la question du mariage ou bien du célibat n'est pas une question divine. C'est une question institutionnelle. Parce que il a fallu que l'Église, dans son fonctionnement, préfère le prêtre non marié. Libre. Donc, le libre. Fait justement de préférer le prêtre non marié, comme dit Madame Ekwan, pour être tout à tout à la cause, au service Est-ce que cela ne serait justement pas un motif pour voir dans ces prêtres, pour parler comme Arnaud Victor et Yada, qui emmagasinent un trop plein d'énergie, il faut pouvoir déverser cette énergie. Je voudrais dire qu'il y a des dispositions qui sont prises. Et une vocation, il parlait de vocation tout à l'heure, évolue dans un cadre. Elle est donc encadrée. Et dans la vocation, il y a ce qu'on appelle le discernement. Et dans le discernement encore, il y a ce qu'on appelle des choix à faire. Ça veut dire qu'il faut élaguer un certain nombre de choses. Il faut mettre à côté certains comportements. Et si on voit qu'il y a des récidives, c'est tout le candidat qu'on met carrément à côté. Mais le problème, c'est que comme ce sont des hommes, comme je disais, l'Église est humaine ou divine, qui font ce discernement, il peut avoir des erreurs. Voilà. Des bandits peuvent échapper à la vigilance et arriver au but. Révérend Père Marcel Christian, j'ai follement envie de vous poser cette question. Oui. Lorsque vous avez vos enfants à la maison, il y a ce que l'on appelle enfants de messe ou c'est pas enfants de cœur. Oui. Ils commencent très jeunes maintenant. Hein. Ils ont 4 ans, 5 ans pour aller apprendre l'église. Cette affaire-là à l'église. Oui. En beau matin, vous apprenez que le curé de la paroisse a abusé de votre fiston qui n'a que 4 ans. Il est prêtre. Oui. Vous qui êtes prêtre, qu'est-ce qu'on devrait faire de ce genre de prêtre? Je vais rejoindre en répondant la question de la position de Saint Augustin, par exemple, sur le péché. Saint Augustin nous recommande de punir ou bien de rejeter le péché, mais d'accueillir le pécheur. Ça veut dire qu'il faut... Ça veut dire qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Vous êtes donc en train de défendre le prêtre. Je défends l'homme, en fait. Et non le prêtre. Et non le prêtre. Mais c'est l'homme qui est prêtre aussi. C'est l'homme qui est prêtre, mais je voudrais dire... Parce que dans la pédagogie... C'est une solidarité dans le péché? Non, ce n'est pas une solidarité dans le péché, parfait. Mais je voudrais quand même dire que le prêtre qui a commis le péché est le frère, n'est-ce pas? C'est votre frère. Donc, au-delà de son péché... Mon frère, au-delà de frère, de mon fils, qui est son fils alors? Mais quand votre frère à la maison, excusez-moi, abuse de vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il cesse d'être votre frère? Il ne cesse pas quand même d'être votre frère, mais vous lui montrez le mal qu'il vous a fait. Et c'est ce mal-là que vous rejetez. Très bien, c'est compris. Voilà. Hein. Arnaud Victor Yada, le prêtre sur le plateau, nous dit qu'il ne faut pas rejeter l'enfant avec l'eau du bain. Oui, je voulais poser la question. Et il dit qu'il faut condamner le péché et voir comment récupérer le pécheur. Vous êtes dépassé. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Même pour parce que là, on ne sait pas qui a violé l'enfant. Le prêtre... Oh, l'homme. Je me souviens quand j'étais petit, je devais prendre ma première communion. Alors on allait faire la catéchèse. J'ai posé une question un jour au catéchiste du village. Non seulement il m'a fouetté, il m'a fait échouer la doctrine. Il a dit à ma grand-mère qui m'a encore correctement fouetté que pourquoi chaque fois que j'observe l'église, les sœurs religieuses blanches sont toujours très vieilles et les sœurs religieuses noires sont toujours jeunes. Pourquoi toi me suis posé d'avoir ce genre de questions? Il a dit que je suis mal éduqué, vicieux. Il m'a accusé chez ma grand-mère, on m'a donné une correction mémorale et j'ai échoué la doctrine. Vous voyez que c'est un constat. Peut-être que je pense que j'étais habité même par le Saint-Esprit avant de poser cette question. Non, on a cru que vous étiez m'envoûté. Parce que c'est aujourd'hui que je commence même à comprendre beaucoup de choses, mais que je ne dirai pas ici, parce que c'est ma compréhension personnelle. On ne peut pas prendre une jeune fille qui, ma foi, a 11 ans, on la met entre les mains des individus. On dit que durant toute ta vie,
Même quand tu auras des caractères secondaires, tu vas commencer à voir tes mensures, tu ne dois rien faire qui va dans ce sens. Et que finalement, on vous dise qu'elle est excommuniée parce qu'elle était enceinte. Et tant qu'elle est, même si c'est le village qui a donné sa fille, vous n'avez pas voix au chapitre, vous ne pouvez même pas la rencontrer. Ça veut dire qu'elle est seulement dans un environnement avec les prêtres. Donc, soit c'est le Saint-Esprit qui l'engrosse, soit c'est l'un des prêtres. C'est automatique. Donc, moi, je pense que, à la base, il y a eu cette histoire de dogme. J'ai été un peu reconforté par l'analyse de Blériot, mais pas totalement satisfait. Parce qu'il y a le texte et il y a le contexte. Le texte, c'est ce qu'on lit. Mais est-ce que dans tous les contextes, ça s'applique? Ou alors, est-ce que ça peut s'appliquer de la même façon? Comment est-ce que l'Africain, moi je vais rester à ce niveau, conçoit la chose de la prêtrise? Il a parlé de vocation, vocare et l'appel. Comment est-ce qu'on ressent qu'on est appelé de Dieu? Alors qu'on n'est pas appelé de la même façon. Il y a des gens qui sont devenus des grands prêtres même dans la Bible, qui à la base étaient des tueurs. Regardez tout ce que Jésus appelait. D'autres des collecteurs d'impôts, d'autres. Donc aujourd'hui, Paul, qui était un très brigand, très grand violeur peut devenir demain un très très grand prélat. C'est logique, c'est ce qui est dans la Bible. Que chaque fois Jésus se baladait, il a trouvé l'autre là qui collectait les impôts. L'autre était un pêcheur, maintenant tu ne vas plus pêcher les poissons, tu vas pêcher les hommes, ainsi de suite. Il faudrait aussi qu'on contextualise ça avec notre société. Moi je pense que pour faire simple, il est venu plus que jamais le temps d'adapter l'église dans son ensemble aux croyances. J'ai bien dit ici qu'on voulait régler le problème de l'église de l'Orient. Est-ce que le chrétien qui est en Chine se comporte comme celui qui est au Cameroun? Alors que celui du Cameroun a les problèmes que la Chine n'a pas. Alors le prêtre a pour vocation et pour rôle d'être ce monsieur qui accueille tout le monde, qui reçoit tout le monde et qui apporte la consolation. Il me souvient, en 2016, lorsqu'on distribuait les déclarations pré-remplies pour la taxe foncière, il est strictement interdit par la loi de demander la taxe foncière aux églises. Ça veut dire qu'on suppose que l'église est un endroit, en réalité, entre guillemets, saint. Même lorsqu'il y a la guerre, on interdit de tirer sur l'homme d'église. Les accords, non? On interdit de tirer sur l'homme de la croix, ainsi de suite. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, la dépravation, même si ça existait à l'époque, c'est justement parce qu'il y a du banditisme dans l'église. Si je vous cite des les mots ne sont pas forts? Non, il y a, c'est pas fort. Regardez les pasteurs, ce qui se passe avec les couples et les gens dans les quartiers. Il y a quelqu'un de Ouagadougou. Hein, c'est terrible. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il donne aux femmes. Parce que vous-même, vous êtes une femme depuis 20 ans. Il faut aussi tirer les oreilles aux femmes. Non, vous êtes un très beau parleur, parfait, mais je ne sais pas. Des fois, c'est un pasteur qui n'était même pas à l'école. C'est un pasteur qui ne sait même pas lire. Mais je ne sais pas par quelle alchimie il réussit à convaincre votre femme au point le lendemain à la maison. On vous tourne le dos et vous êtes venu. Ils ont perdu le don de l'envoûtement. C'est sûr, c'est fort. C'est, ça veut dire que c'est eux les possédés. Révérend Père, on vous en prend l'envoûtement au séminaire aussi? Non, pas vraiment. On ne peut pas apprendre l'envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi d'abord? Parce que moi je ne sais pas ce que c'est. Mais je voudrais quand même dire à mon cher frère, parler du banditisme dans l'église, n'est-ce pas? Il y a des parias partout, n'est-ce pas? J'ai dit tout à l'heure que à mesure de s'échapper et faire le malin, il y a certains qui peuvent arriver au but. Parce que l'église prend toujours les dispositions pour mettre ceux qui doivent acquis à la cause de la parole de Dieu dans un cadre d'évolution et dans un cadre de vie. Alors, mais comme que quelqu'un réussisse à échapper, et puis, il y a une autre question. La course au gain, qui peut également, parce que j'ai dit, nous sommes des hommes. Il n'est pas surprenant qu'on apprenne qu'un prêtre est entré dans une secte. Et que dans cette secte-là, qu'on lui impose certaines pratiques, comme aller avec un enfant. Vous n'allez pas lui empêcher ça parce que c'est de sa liberté. Sauf que l'Église est en train de recadrer toutes ces personnes qui c'est tombent compris, hein? Également. Avant de repasser la parole à Madame Écoine et à Pierre Blériot, on lit encore quelques messages. C'est un foisonnement de messages, rassurez-vous. On ne devient plus prêtre par vocation, mais par situation sociale. Je partage l'avis de Niemek. Un prêtre qui a la pauvreté n'est pas pour lui. La femme et enfant et se mort de tout le monde et clochardise son personnel parce que chef d'établissement confessionnel. C'est signé Larry de Yaoundé. Bonjour El Perfecto. Très ravi de vous revoir. Ça n'écrit pas aujourd'hui dans le débat. Vous êtes vraiment le sac de modérateur. C'est signé Sylvie Bichoka depuis le ciel de Douala.
Bonjour Perfecto, heureux de vous retrouver, mon grand frère Blériot et toi. Bravo pour la problématique du jour. Elle nous amène à nous interroger de manière holistique sur le statut substantiel de la religion chrétienne et son rôle en Afrique. Les Africains ont intérêt à faire un retour aux sources. L'Église et ses légats sont de grands prédateurs pour l'Afrique. Il faut s'en méfier. Christian Roméo Njok de Kribi, qui envoie le message. Antoinette et Ekwan, que fait le Vatican face à ces déviances? Parfait, vous allez me donner quelques minutes. Allez-y. Je voudrais déjà dire, je suis mariée à l'Église catholique romaine. Donc, je suis pratiquante de l'Église catholique romaine. Et dans ma responsabilité syndicale, j'ai eu la chance d'aller au Vatican 4 fois. Wow. J'ai même demandé l'audience au pape. Il vous a reçu. Et il m'a fait recevoir par un des cardinaux. Et j'ai eu le bonheur d'avoir la bénédiction papale. Comme on dit, c'est affiché chez moi. Mais je veux vous dire mon sentiment. Allez. Quand j'allais au Vatican, je savais que j'allais au ciel. Quand je suis arrivé en Italie, je savais que j'allais ressentir quelque chose de particulier. Quand j'arrive à Roma Termini, c'est-à-dire que c'est la gare de Rome, ce qui vous frappe en premier lieu, c'est les travestis. C'est-à-dire que quand vous quittez la gare et que vous avez... Les travestis? Oui, vous allez à quelques enclavures, je voulais faire un appel. Il y a des communautés vraiment de travestis, de transgenre. Ils ne s'en cachent pas. Non. C'est non. C'est ouvert et tout. À quelques pas du Vatican. Quand j'arrive au Vatican, j'ai eu la chance de faire le Triduum Pascal. Pendant les journées, ce qui vous frappe, c'est les touristes. Ce n'est pas ceux qui viennent pour la prière. C'est on visite. Il n'y a pas... J'ai cherché ce que je suis venu. Je n'ai pas trouvé. Je raconte cette anecdote pourquoi? Pour dire que les lieux qu'on pense les plus saints ne sont pas en réalité les plus saints. Ce sont les plus malsains. Non, je ne dis pas les plus malsains, mais il n'y a pas, c'est-à-dire que on a toujours une certaine idée. Vous voulez nous dire qu'il n'y a pas Dieu à l'Église? Une certaine idée, et je vais aller plus loin pour dire pour chuter. À cet endroit, j'ai pu accéder à un certain nombre de choses, et je suis en train de lire un livre, Sodoma. Sodoma. Je vous conseille de le lire, Sodoma. Pourquoi on devrait lire les choses terribles qui sont... Non, vous devez les lire parce que ça retrace de la réalité de l'Église. La foi n'est pas dans l'Église. Oh là là. La foi, c'est en Dieu. Non, parce que si nous commençons à déifier les institutions au lieu d'aller à Dieu qui se trouve en chacun de nous, c'est qu'on est en train... Merci, hein. C'est qu'on est en train de dévier. On a pris suffisamment de temps en quelques secondes. Oui, en quelques secondes, je veux dire, ce qui fait aussi cette déviance à l'Église, c'est l'impunité. L'impunité. Parce que, Bertois, on est en train de dire, condamner l'homme, laisser le prêtre. Condamner l'homme. Le prêtre, c'est l'homme. Et donc, il y a cette impunité-là qu'il faut lever. Les hommes de Dieu, ce sont des êtres humains qui commettent des fautes et qu'on doit punir. C'est tout. Merci. Hein. Alors, finalement, Madame Ekwan est catégorique. Hein. Il n'y a plus la foi dans ces affaires. C'est peut-être extrémiste, Pierre Blériot. Parce qu'une seule dent a pourri toute la bouche, c'est ça? Non. Si c'était une seule dent, ce serait marginal. Même si je vais heurter le prêtre sur le plateau. Ce serait marginal parce que ce qui est la vérité aujourd'hui, c'est que les brebis galeuses sont plus nombreuses. Donc ça ne fait plus l'exception, c'est devenu la règle. Ouais. C'est ça qui est un problème. Et
pour ne pas seulement se focaliser sur l'Église catholique romaine, mais parlons un peu d'elle parce que c'est son prêtre. Et c'est votre dernière prise de parole. C'est son prêtre qui est en prison. Mm. C'est la puissance de Rome qui a rendu les prêtres orgueilleux. Oui. Ah bon? C'est ça, oui, parce qu'il faut le savoir. Dès qu'un prêtre pose un acte, l'état dans lequel il vit, il veut le punir. On dit non. Il appartient à Rome. Voilà. Et le prêtre venait de vous dire punissez. Et mais dans la Bible, les péchés ont des catégories et des punitions sont associées. Catégorisées, oui. Alors c'est simple. Si quelqu'un viole une fille, on le tue. On le tue. C'est simple. Donc on vous laisse le prêtre. On tue la personne. Le violeur. Oui. Non, vraiment. Mais ça, c'est vrai. Non, soyons clairs. Oui. Si quelqu'un viole une fillette, on tue le violeur. On laisse le prêtre. L'Église, qui est donc très puissante, va ressusciter son prêtre. Voilà. Mais on tue le violeur. Voilà. Ou bien on lui coupe l'enjeu avec le. Oh là. C'est simple. Non, c'est simple. Comme ça, il ne le refera pas. Et on laisse le prêtre à l'Église. Révérend Père, des solutions plus pratiquement draconiennes sur le plateau, hein. Oui. C'est-à-dire, vous violez une petite fille, vous êtes un prêtre, on tue le violeur, mais on laisse l'homme à la soutane. Vraiment, c'est vraiment une solution très draconienne. je pense que le grand frère, n'est-ce pas, devrait un peu modérer. Parce que fondamentalement, je ne sais pas si... Je ne voudrais pas attaquer son obédience, encore moins ses convictions de foi, mais j'imagine qu'il a un regard de philosophe. Mm. C'est pour cela qu'il le dit, mais je voudrais qu'il ait également un regard d'amour. Ah, le prêtre. Le regard d'amour est ce regard-là. Est-ce que le prêtre, lui, a eu un regard d'amour envers la fille? Non, nous ne sommes plus dans la loi de Talion, n'est-ce pas? C'est la loi de Talion qui prévaut une dent pour une dent, un œil pour un œil. Il vous reste 30 mais secondes. Nous sommes dans un regard du Christ. Quel est le regard que Dieu lui pose sur nous lorsque nous-mêmes nous sommes en état de péché? Parce que c'est le péché du prêtre, peut-être de Bertois, qui est connu maintenant. Mais nos péchés nous-mêmes, qu'est-ce que nous en faisons? Et si Dieu était aussi dur envers nous que nous le souhaitons pour ce frère qui est tombé dans le péché? Le pape François, en quelques secondes, lors de la dernière fois, je crois c'était en 2017 ou 2018, a pris position sur la question de l'homosexualité en disant nous rejetons l'homosexualité qui est le mal, qui est le péché, mais nous ne pouvons pas rejeter les homosexuels. C'est ce que alors, la Bible. Non, ce n'est pas ce que je... la Bible se résume à la charité. Le pape est-il au-dessus de la Bible? Non, la Bible se résume à la charité. Il prône cette charité-là et la miséricorde. Le pape n'a pas piétiné la Bible. Le pape est au-dessus de la Bible. Je vous assure. La Bible dit en Lévitique 18:18, celui qui va avec un homme comme on va. Monsieur Blériot, je voudrais quand même dire que la loi, n'est-ce pas? La loi a évolué. La loi biblique aussi a évolué. La loi biblique aussi a évolué avec le Christ. Non, avec le Christ, la loi a pris une forme, une nouvelle forme. J'ai des exigences. On ne peut plus être dans tolérance zéro. J'ai des exigences de temps. Je dirais merci au révérend Père Marcel Christian Akwa Dangana, qui était là ce matin. Merci à Arnaud Victor Eyada, qui sera permanent. On dira merci à Madame Antoinette Ekwan qui était également là ce matin. On apprécie toujours ses analyses. Hein. Pierre Blériot-Niemec est désormais consultant à Info TV. Nous l'aurons également pratiquement tous les matins. On présentera nos excuses à tous ces téléspectateurs qui ont envoyé des tonnes de messages. Nous n'avons pas pu lire. Retenons définitivement le rendez-vous tous les matins. 10h, 11h52 sur Info TV, canal 307 sur canal SAT. Vous avez rendez-vous avec Espace Miné, si vous en avez convenance. Appelez-moi Perfecto. Bonne suite de programme. Merci.